C'est parti! La pizza, c'est pour 4 heures. Ok, non, j'ai vu si c'est bon, j'ai vu ton message. J'ai vu. Très bon choix de début, tu as bien fait. Crâne d'œuf. Pourquoi pas, pourquoi papa, pourquoi papa, pourquoi. Est-ce qu'il va se booster? Mi, question. Bonne question. Ouais, c'est boosté un petit peu. Bon, alors, on va pas se poser 3 000 questions. What? The fuck? Ça fait pas de le mal, cette attaque de merde, hein. Putain, je sais même pas quel type c'est cette attaque, je crois. Sol. Ouais, c'est. Oh, je pense que c'est. Putain, elle faisait mal! Bon, il va faire coup critique, ok, mais quand même. PD. Il a bien anticipé, hein. On va voir ce que c'est comme type. Oh merde, je sais pas ce que c'est comme dip, je crois que c'est glace. Non, pas glace, justement, feu. Ah putain, moi avec mes Pokémon, je sais même pas ce qu'ils ont. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va me proposer? J'ai peur qu'il me fasse là. Des choses cheloues. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Je sais pas ce qu'il a, hein, donc je sais le voir. Puissance cachée, ok. Dragon. Ténèbres. Ok, bon. S'il veut. Y a pas de saucé! Y a pas de saucé! Moi j'attaque aussi. Bon, ça c'est fait. Oui, je me suis fait une spécialité herbe blanche. Parce que je sais pas. Je sais que c'est un peu what the fuck. Mais bon. Mais sur le coup, ça sert à rien du coup. Est-ce qu'il va anticiper? Est-ce qu'il va, il va anticiper et je suis plus rapide que lui. C'est normal ça? Non, je crois pas que c'est pas normal. Hein. Bon, c'est pas grave, voilà. Bon, du coup, il a niqué avec. Il est protéant au moins. Il est. Ah oui, il est protéant. Ah, j'étais pas sûr qu'il s'était là justement. J'ai bien fait de. Oh! C'est de l'art ce que je fais là, c'est de l'art. Bonjour. Oh merde, il a emporté SPD! Bien joué! Bien joué! Ah, je m'attendais pas à ça. C'est pas grave, de toute façon, il devait crever la pièce. Je m'attendais même pas qu'il résiste. Bon, vu que maintenant lui il est un petit peu mal au point, il y avait maître lui. Bonjour, je suis ton pire cauchemar! Voir ce qu'il fait.
Non, c'est bon, il est où l'attaquer? Et en plus, c'est un type spectre. En plus, j'ai été coup critique! Donc là, ces vies, elles font pas. Tchac, elles font tchac! Et pff, là, là, l'autre sens. Bon. Qu'est-ce qu'il me propose là? Bisharp, comme il fait peur. Effectivement, un bon contre à Bisharp. J'ai oublié qu'il avait lui dans ce tas. Donc je pense, je sous-entendais un des flags. En fait, tout simplement. Voilà. J'ai su ça. Je vais placer les PDR pour faire le jeu. Oups. Donc ça c'est bueno. Bueno. Draco feu merde juste avant. Chien. Ah j'ai une idée. J'ai une idée de truc. On va voir s'il se transforme en X ou en Y. Ah, s'il est devenu, il est venu là. C'est pas pour faire joli, hein. Je pense. X, ok. Est-ce qu'il se DD? Parce qu'il anticipe. Enfin, moi j'aurais DD peut-être. Mais il a séisme. Ah, il a DD. J'ai bien fait! Très bien, très bien, très bien. Donc, je le gicle. Voilà. Ah, bonjour Cisaiox! Mais bonjour! Comment vas-tu? Tu m'as l'air tout mignon. Comme je suis un PD. Ben en fait, c'était évident qu'il fasse ça, c'est pour ça. Mais comme elle est stylée cette attaque, franchement. Le gars il fait. Une des plus belles attaques, je pense, de cette 6ème génération. Bon, il va me remettre l'autre cochon. Ah non, lui. Ok. De quel type est mon truc? Je me demande bien. Ah, il a surf. Ok. Petit pédaï. Ouf. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je me disais. Je me disais qu'il faisait un peu trop de dégâts. On va rester sur du sûr. Ah putain, je crois qu'il fait ce que je pensais faire. Tu résistes. Tu fais un beau ébelli lave. Un petit coup critique, ça ferait plaisir. Ah non, merde, dommage. Bon, c'est vrai qu'il y avait la possibilité de brûler. J'étais conscient, c'est pour ça que j'ai testé deux fois. Mais ça sert à rien sur lui, je veux dire, s'il brûle ou pas, bon, sur le coup. C'est cool, mais. Bon, sur le coup, c'est pas cool en fait, parce qu'il peut se placer maintenant. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. Parce que maintenant il sait que ben. En fait j'ai envie de tester. J'aimerais savoir. On va voir s'il fait ce que je pense. Est-ce qu'il veut me tuer? J'aimerais aussi tester en fait ma puissance cachée. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est sol justement. Oh dommage. Il est con! Est-ce que c'est sol? Je crois que c'est sol. Pas seul. Mais je lui fais mal. Mais je lui fais mal. Bon, je reste avec lui. Par contre, j'ai pas compris. Il a pas séisme. Tu me fous de moi ou bien? Dis-moi. Dracofeu, X n'a pas séisme. Et il refait. Ah, peut-être il a mis clic. Non, je sais pas. Mais j'en sais rien. Mais il a pas compris que là, je le nique un peu là. Oh.
Tu vas pas me dire que. Il a pas d'attaque autre que feu, c'est-à-dire qu'avec ce drac au feu. Ah, mais si ça, je sais pas moi, ice ou pas ice ou feu ou feu sol ou les PC, moi je m'en bats les couilles. Moi ce que je trouve dommage dans ce jeu, c'est que pour justement les puissances cachées, ils aient pas fait en fait en sorte que ta puissance cachée soit en, de couleur, ces cryptons, genre puissance cachée, en couleur. De la couleur du type que ça sera. Ce serait plus logique, non? D'accord. Là, si c'était par exemple la couleur de type glace, moi j'aurais dit voilà, puissance cachée glace. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Dis-moi. Franchement, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que quand tu regardes sur Showdown, il y a les couleurs, hein, c'est écrit Ice, tout ça. Donc tu peux savoir. Là, le problème, c'est faut que je me rappelle. Et puis moi, les teams, tant que j'ai pas fait ma propre team vraiment de A à Z et que je me suis mis dedans, moi j'oublie, hein. Laisse tomber, il y a trop de trucs dans ma tête. Bon, maintenant on va jouer contre Jérémy Lucario parce que c'est vrai que si je voulais le faire un combat contre lui, je pense qu'il est toujours là. Du coup, je vais me concentrer pour le match. Le truc, c'est que si j'ai des gens, je vais pas concentrer sur le match. Et puis, sachant que bah, je fais un live pour les matchs, autant bien jouer quoi. J'ai envie de l'utiliser après parce que bon, c'est un stratège donc ça va. Bon, je voulais inviter Jérémy parce que bon, il commence un peu la stratégie. Je voulais savoir un peu comment il allait aussi donc tant pis pour lui. Donc, armure. Il joue avec 4 Pokémon défensifs, quoi. Putain. Réfléchis un petit peu, hein. Ce qui est bien, c'est que il a rien contre certains des Pokémon. Bon, qu'est-ce qu'il dit sinon? Putain, ça spamme un petit peu. Ok, bon, il l'a pas vu en fait, je pense. Ah oui. Attendez, attendez. J'ai chopé là. Ah bonjour, Armure. Voilà. Salut. Je t'invite parce que voilà. Alors, t'es Avec prêt pour te faire défoncer? JP. J'ai peur, Vas-y, je tremble. salut toi, présente-toi à tout le monde et dis qui t'es. Salut tout le monde, je suis un ami de Pyrux. On a joué au sou pendant les grandes Mais vacances. ça, on s'en fout, ça! Bon. Bah, je fais des vidéos sur YouTube moi aussi, hein. Et j'ai connu Pyrux, voilà. Voilà, et je Mais lui défends passons son pas piaf! pour. Su! Non. Ah merde, juste pas. Bah oui, j'ai fermeté. Oh, c'est bête. C'est bête. C'est pas grave. J'espère que je te tue au moins un Pokémon. T'inquiète pas. Bon. Ça fait plaisir. Ah, t'es devenu une grande star, attention. Ouais, non, je suis une star. Ça va ou quoi? Je suis légèrement connu. Légèrement, légèrement. Un poil de cul. Un Un poil petit de peu, cul. c'est ça? Un poil. Voilà, c'est ça. Vas-y, que tu vas me faire. Tu veux retirer? Mais y a pas de soucis. Oh, Mince. qu'est-ce que tu m'as mis? Oh! Mais il est mignon comme tout! Il est Ouais. tellement mignon! Je vais me faire niquer. Tellement choupinot! Oui, Il ouais, était je tellement vois. mignon! Oh! Bonjour! Oh putain, avec des chenilles ou quoi? C'est mes copains, c'est gentil. Putain, moi j'ai envie de l'avoir en chenille, moi aussi, il faut que je le fasse. Bon, celui que t'as en face de moi, enfin, celui que tu vois en fait, il est presque parfait. Enfin, j'ai réussi à faire une reproduction parfaite presque. Ouais. Et en fait, non, c'est même pas moi qui l'a faite. C'est un gars qui m'a dit, ouais, si tu veux, je te fais un Pokémon. Donc il a fait lui-même la reproduction. Du coup, il va me servir pour faire un shiny après. Alors, ton Ok, truc. ouais. Oula, tu vas ramasser. Je sais pas ce que tu me donnes, mais. Qu'est-ce que tu me donnes en fait? Tu me donnes. Ah, lunettes chat. Bah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Voilà. Ah, le mien est pas de défense. Il est pas défensif. J'ai mis full vitesse, full attaque spé.
Ok. Turkey Kampach. Un séisme. Je m'attends au séisme. Qui va ramasser? Comment faire quelque chose avant de mourir? Ce serait bien. Ouais, je résiste pas, mais je vais poser les PDR. Ah, quoi que peut-être? Non. Nah. Oh là 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 là. C'est bon, je suis en live avec toi. Je vois deux gens qui m'ont ajouté. Alors, maintenant. Ouais. Là, j'ai... Moi aussi, il faut que je me fasse un truc aussi. Mira Jane. Mira Jane. Allez, ça c'est bon ça. Alors, Donc, t'avais quoi dans la team? Je sais plus. Moi, le problème, c'est ça, j'oublie les teams au début. Donc, on va mettre Getsuga par défaut. Parce que oui, c'est un beau gosse. Et je sais plus ce que t'as. Je sais que t'as Azumarill, un petit arsenic. Konnichiwa. Moi, Getsuga, je l'ai enchaîné, moi. Konnichiwa. Oh non! Non! J'ai fait de la merde! Ah, la Miss Glick qui va faire mal! Getsuga! Tencho! Normalement, là, je te fais très mal. Ouais, très bien, très très oh, mal. Le oh, le coup bien placé qui fait mouche! 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 Voilà. Bon. Attends juste. Bon, alors maintenant, calmons-nous. On va donc. Putain, en plus, ce truc il apparaît, il fait chier. Je vois bien le truc. Ah. Je crois que j'y vais, qui a raison que j'ai pas switché n'importe où. Je vais me prendre gelé parce que. Attends. Attention. Est-ce qu'il joue mieux qu'à l'époque? Ah non, peut-être pas. Je t'ai surestimé. J'espère que je fais ce que je pense. Parce non, sinon... surtout que j'ai rien du tout pour tenir ce machin. Bon. Lui, c'est bon, il est tranquille, posé. Est-ce que je suis plus rapide? Je ne sais pas. On va tenter, hein. Oh merde, j'oublie un truc. Hein. Vil bâtard. J'avais oublié. Ah oui. Oh, c'est bête. Parce que je vois, ça a servi, hein, l'objet que je t'ai donné. Hein. J'ai oublié. Oh non. Calinerie ou bien tous les coups. En anticipant, bah oui. Ouais, en anticipant très excellent. Bon, de toute façon, tu peux faire comme ça comme dégâts sur l'autre. Alors... Alors. Alors comment tu vas prendre?
On va voir combien tu vas prendre, mon cher. Penses-tu prendre beaucoup ou pas? Je sais pas. Ah! Non, ça va. Ça va. Je sais pas. Ah, je joue mal, je joue mal, je joue mal. J'aime pas ce Pokémon que t'as là. Il sert à rien, il est juste gros, un gros tank qui fait chier, qui pose sa tempête à la merde. Ah, mais je sais pourquoi je t'ai pas fait beaucoup de dégâts. Voilà, maintenant je vais en faire beaucoup de dégâts. C'est bon. J'ai compris. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? J'ai même pas vu ce que t'as fait. T'avais fait quoi? J'ai fait séisme. Ok. Mais bon, t'aurais switché sur Motisma, ça aurait rien changé. C'est bête, c'est bête. Je joue mal, je joue mal. Normalement, je dois faire plus de dégâts. Si je me rappelle bien des effets de la tempête. Ah, c'est bien. C'est bien que t'as fait cyclone. Sur qui? Nymphali, ok. Pourquoi pas. Bonjour, je push mon pote pote. Tout kiff, tout kiff. Je suis bloqué de partout, 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 partout. Ah non. Attention, un mégaphone c'est cheat-hey avec ma petite Nafali. Voilà, donc j'avais mal lu l'effet de la tempête de sable. Mais dans tous les cas, je m'en fous. J'ai bien fait d'attaquer. Tant qu'elle est câble. Wow. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pris cher. Moi je m'en fous. Hein. Bon, on va tenter. Hein. Une fouée. Ça sert à rien. Ah. Espérons qu'il résiste, hein. Ouais. Mais je crois pas. Si, si, pas, si, pas. Si. Si, ouf. Danger Zone. Tiens, en plus, j'étais en train de me préparer avec mes Pokémon depuis le début, là. J'aurais pas dû prendre ceux-là. Parce qu'en fait, j'essaie de refaire ma team que j'ai fait sur Showdown, tu vois. Mm-hmm. J'arrive pas, enfin. On va dire 50% des Pokémon, même pas 50% de mes Pokémon sont déjà faits. Mm-hmm. Ouais, donc il me reste encore un paquet. Un package. Mm. Bon, c'est paye. Il me manque Totac Cruel. Il fallait pas dire, je l'ai pas encore lu. Non, mais non, pas dans mon équipe. Ah, là, il y a pas trop de Totac Cruel. Attends, je sais même plus ce qu'il te reste, toi. Là, il te reste combien? Un. Deux. Ah oui, deux. Ils ne disent pas le nombre de Pokémon. Attends, peut-être qu'ils me lisent là. Si, il y a les Pokéballs, combien il reste tout ça. Ouais, mais pas pendant en fait, j'aimerais savoir tout le temps combien. Ah ouais. Mais là, voilà, maintenant ils me disent. Bon, ça va. Oh bah, je suis dans la merde. Hein. Il est perdu. Bien ça joué. Va. T'as les bons Pokémon, maintenant faut savoir les jouer. C'est ça. Parce que voilà, Azumarill, c'est un Pokémon, putain, il est chiant. Que ce soit Azumarill, que ça soit. T'avais quoi? Bon, Hippodocus, j'aime pas trop ce Pokémon. Mais bon. Après, voilà, faut bien que tu joues les PDR. C'est ça. C'est ça. Et puis lui, ben, il crève, je crois. Voilà. Ah bah oui. On va bien jouer, hein. Voilà, GG. De toute façon, je m'attendais pas à te battre. Hein. Non, mais. Moi, je voulais juste faire un combat tranquille. Mais il faut partir du principe qu'il faut me battre. Comme ça, ça vous booste. Ça vous booste. Puis ça ouais, vous moi, booste, ça moi, je me suis dit, si j'arrive à faire mieux que sur Showdown à l'ancienne. Donc voilà. Ah. Bon bah bien joué à toi. Merci. Donc, alors ce qu'on va faire... Voulez-vous arrêter oui. Et du coup je raccroche et je vais en choper un sur le chat là pour un combat encore.
Ok. Donc merci Voilà. d'être venu. Ouais, bah la prochaine, hein. Bah, de toute façon, je serai toujours dans le live, donc. Ok, ciao ciao. Ouais, vas-y. Voilà les gens, on est reparti pour. Alors. Ok, j'en prends un bol là. Ouais. Donc voilà, ça va, ça va. Oui, aimer mes modos. Elles sont trop gentilles et gentilles. Aimez-les. Ah. Bon. Keyblade. Ok. Oh! Oh, je l'avais jamais vu en shiny. Elle est franchement belle, hein. Enfin beau. Enfin vous comprenez. Bon, j'imagine qu'il va faire. Ah non. Bon, moi je suis parti du principe, voilà. je me suis pas posé de questions en fait. Je me suis dit, allez, moi je fais tac-tac. J'imaginais un cage éclair, parce qu'il est il peut être farceur, donc cage éclair, déjà ça m'aurait stoppé, vu que je suis Scarf, ça aurait été plus intéressant de le faire, je pense. Après, je suis pas elle. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, dans la redise, je mettrai quelque chose à la place. Donc moi, j'ai une team qui aussi a des Pokémon qui permettent de contrer certains autres Pokémon, comme en l'occurrence Lambuzard. Mon Motisma est fait pour ça en fait. Il est fait pour bloquer en, tout simplement le Motisma en lui-même, ce qui fait très mal. Et du coup, Motisma il gère les multiples attaques qu'il pourrait faire. Vous voyez, un coup critique ça fait que dalle quoi. Donc. En plus, je pense qu'il doit être. Qui doit être Chasebender parce que bah. Enfin, je sais pas en fait. Ok. Donc, j'ai pas vu s'il avait le ballon. Attends, est-ce que j'ai une. Oui, j'ai. Faut attention, il apprend pas mal d'attaques spéciales. Celui-là, je sais pas si elle compte switch ou non. Je sais plus si elle a le ballon ou pas. Ce qui est bien, c'est que je l'ai pété. Ah, elle a switch. Merde, j'aurais pu mettre les PDR. Bon, le problème pour elle, c'est que mon Minotaur a brise moule, donc ce qui permet de quand même toucher les Pokémon qui ont lévitation. En l'occurrence, sur le coup, ben, je vais le toucher. Donc voilà. J'imagine que le sien est comme le mien, donc il a aussi. Des flags. J'imagine. Hein. Ou lance-flamme, mais. Bah, je pense qu'il peut faire que ça en fait contre mon truc, à moins qu'il le joue physique. Prometteur, donc. J'ai anticipé comme il le se doit. Donc voilà. Donc ça parle entre vous. voilà. J'essaie de voir si c'est des questions intéressantes. Vous pouvez poser des questions hein, si jamais. Je suis tout ouïe. Après, je suis parti du principe que bon, de toute façon, s'il le laisse ou pas, ça me dérange pas de. Ça me dérange pas de. Voilà. Je fais quand même assez de dégâts. Je sais pas si ces Pokémon sont EV de la bonne manière. Elle va faire une attaque acier dans. Dans la logique, c'est une attaque acier, genre Lumino Canon, comme ça. J'imagine, donc. Voilà. Ça va, là, je commence un peu à connaître les attaques, les Pokémon, tout ça, donc. Le truc, c'est que lui, je pense pas qu'il puisse me tuer, de toute manière. Ah, le switch. Je pense que c'est la pire chose à faire devant un Getsuga, c'est de switcher parce que du moment que vous avez rien. Wow, Orphanard, il est beau. Orphanard, je sais que. Elle a pas sécheresse en plus. Hein. C'est dommage ça. Bon, bim.
Faut quand même assez cher, vous voyez. Bon, la baie citrus peut-être. Ok, alors ça va. Ça minimise les dégâts. Les dégâts, pardon. Ça va. Il y a des tentatives de sa part de faire des choses. Je trouve ça intéressant. Je pense, franchement, si je suis sûr que si on lui explique bien la stratégie, parce qu'elle m'a l'air d'être un peu chasseuse quand même. Enfin, vu les Pokémon. Je pense que s'il y a moyen de t'expliquer et puis de te faire bien jouer, je pense, parce que ben, au moins tu switches quoi, tu restes pas, tu fais quelque chose. Bon, sur le coup, ça casse-couille ça. Bah. Je sais pas quoi faire, donc je vais lui. Je sais même plus ce que t'as. Attends. Ouais. On va voir ce que tu vas faire. Ok, à switcher. Artu. Ça, on l'a pas vu encore. Ok, bon, lui. Il a pas encore une méga évolution, donc faut faire attention, hein. C'est un peu quand même plutôt physique, hein. Malheureusement, parce que si je faisais feu follet, elle me renvoyait le feu follet à la gueule. Ça aurait pu être un peu con. Donc tu m'as bien fait de réfléchir un petit peu, donc c'est juste. Tac. Elle ramasse un peu quand même. J'imagine qu'elle veut taper dans le stab. Donc en mettant lui, il devrait rien prendre. Enfin, pas beaucoup. Ok, donc il tape un dans ce slam. Normalement, je suis plus rapide de ce truc, donc. Voilà. Bah, enfin, j'ai vu qu'il change d'éclair, il le tient pas très bien, donc un Dracométer, ça devrait suffire. Je voulais faire en fait demi-tour pour en fait placer après encore un Pokémon, mais je tuais pas, je pense. Il avait trop de vie. Enfin bon, pour l'instant ça se passe bien. Pour le même temps, j'ai le temps de vous expliquer un peu comme ça sa team et tout ça. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas comment le jouer. Franchement, j'ai pas envie de le jouer en fait. J'ai pas trop envie de le jouer ce Pokémon. Le Mega Absol, je sais pas. Ça m'a jamais intéressé, je trouve. Enfin, le fait qu'il doit Mega voler pour avoir les mêmes capacités, les mêmes, je crois, les mêmes effets et talents que Mentali, je crois, non? Je trouve pas très intéressant. Après, c'est vrai que Kuba. Bon, après, il est vraiment faible défensivement, je sais pas vous, mais. Je le trouve vraiment faible. Donc voilà. Là, si j'étais elle, je ferais demi-tour. Tout simplement. Si elle l'a. Parce qu'en fait. C'est hyper. Enfin, voilà, c'est hyper. Bon, là, j'ai le temps de faire Hydro-Canon. Parce qu'elle peut pas switch. Donc voilà. Ça s'est fait. Tout va bien. Tout va bien. J'ai bien, moi j'ai pu voir des shiny. Je pense qu'elle est chasseuse. Je pense que c'est chasseuse. Enfin, j'ai pas lu dans les messages si tu l'étais ou tu l'as dit ou pas. Donc voilà, je sais pas. Donc du coup, lui. Qu'est-ce qu'il faut me sortir donc? Alors là, il se dit, je suis une bonne attaque tonnerre, ça pourrait le faire. C'est vrai. Parce qu'il est pas très bon le mien en défense spéciale de Motisma. Je sais pas. Voilà, donc ça va. Pourquoi cache éclair? Ça aurait pas marché sur l'autre non plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est dommage, ouais. Il y a quelques lacunes. Mais je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Je veux dire. Je sens un truc qu'on peut améliorer. Enfin, c'est pas, elle joue pas à la masse quoi. Elle essaie de par rapport au type, tout ça. Franchement, il y a moyen. Puis je pense, voilà, elle essaie de switcher tout ça. Bon après, si elle, voilà, elle fait la même erreur là. Enfin, peut-être elle veut le sacrifier parce qu'il sert plus à rien. Mais voilà, Brismoul, c'est une capacité spéciale qui fait vraiment chier. C'est pour ça que souvent contre Minotaur, on retrouve souvent Elector parce que ben, c'est un Pokémon volant, il fait chier. Elector ou n'importe quel autre type vol, hein.
Un flanc bizarre, il ferait l'affaire. Parce que bah, il s'est pas touché. Puis tête de fer, deux Minotaures ne le touche pas non plus. Après, c'est un peu risqué de mettre flanc bizarre. Mais Elector est un bon bulky. Un bon, comment on dit, un bon Pokémon contre Minotaure. Faut le contrer. Entre autres, hein. Il y en a plein d'autres, je pense. Mais je sais pas si je suis plus rapide. Oui. Et du coup, voilà. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va la finir. Bon, vous allez me dire, elle n'est pas une grande team, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Moi je veux juste vous faire plaisir et vous combattre. Moi c'est tout. J'ai pas envie d'avoir toujours devoir combattre des stratèges, parce que dans la vie il n'y a pas que des stratèges. Dans la vie il y a des gens qui apprennent la stratégie comme moi. Moi je suis pas un stratège, je me considère pas comme un stratège. Hein. Je me considère comme quelqu'un qui s'y connaît dans la stratégie, c'est tout. C'est tout. Moi je suis pas stratège, tout simplement. Je m'y connais, je me démerde, je suis bon, mais je suis pas stratège. Pour moi, un stratège, c'est quelqu'un qui s'est investi depuis beaucoup d'années, qui connaît beaucoup de choses, même plus que moi, et que il s'intéresse vraiment juste vraiment à ça, à tout ce qui s'ensuit de la stratégie, quoi. Moi, non, moi, j'aime bien la stratégie, je m'amuse dedans, et voilà, ça me dérange pas, et puis après, je m'y connais, forcément, ça m'intéresse, c'est Pokémon, mais voilà, je suis pas, pour moi, je suis pas stratège, j'ai pas le même esprit qu'eux, quoi. Alors, Enfin bon. Brasgali, allez, tu envoies tout ça, un petit Uber en plus. Ça va grave. Mistibule. Pourquoi pas là? Ok. On va voir comment il va jouer ça. Ta-na-na-ta. J'aime juste pas trop le Uber, même. On va voir s'il est Uber ou pas. Donc voilà. Très bien. Ulquiorra. Bleach reference. I like that, baby. Bon, loupe pas, s'il te plaît, au moins lui faire un peu de dégâts. Je voulais pas risquer le. La folie en fait contre. Contre l'autre. Double switch. Parfait. Parfait. Y a pas de souci, on peut jouer. Je pense qu'il reste quand même, donc. Ah, ok, pour l'instant, il veut pas tester de rester, tant pis pour lui. Shinobi. Ok, pourquoi pas. Donc il aurait pu rester avec son Mistibule, hein. Dommage pour lui. Est-ce qu'il va double switch? Non, bah non, parce que sinon il aurait. Enfin, je sais pas en fait. Alors. Toxique. Ok. Tum,
Petit taxi, petit thé. Je sais pas pour voir si je refais ébullition abri après. Voilà, toxique. Donc c'est chiant parce qu'il est type poison. Il est l'heure de faire entrer en scène Zazézur, mademoiselle Zazézur. Alors. Ok. Donc c'est pas la méga. Déjà, c'est pas lui. C'est méga, mais méga mystible, effectivement. Il peut y avoir que lui. Les deux mégas s'affrontent aujourd'hui pour un duel épique. Un duel qui oppose deux entités. Indétrônable du OU. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Mais d'où tu veux faire ça? Mais d'où? Mais d'où? Mais d'où? On va essayer de faire un truc. J'essaie de le niquer, mais je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas si je le nique, mais dans tous les cas... Oui, j'ai niqué. Trop bon, là. Là, j'ai trop bien joué. Le gars, il voulait tellement niquer Kuba. Eh ben non, ça a pas fait mouche. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bonjour. Bon, lui, on va pas poser des questions. On va faire directement... EQ, EQ, fuck yeah. Parce qu'il le vaut bien. Parce que son swag est épique. Tac. Bim, 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 bim. Ça, c'est beau. Après une SD, il est fini. Il est fini. Il est trop malade, Scarabrut. C'est un méga de folie. Et en plus, il a raison, il a même pas d'intimidation, c'est vrai. Bizarre le mystibule. J'ai pas pensé au début, mais bizarre. Alors normalement, bah lui il a intimidation, même. Ok. Bon, normalement, avec 1, je devrais le tuer. Ah merde. Petit vilain, 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 vilain. Bon, du coup, je le tue pas, mais. C'est pas grave. Parce que. Non, je pense pas que je le tue. Mais je lui fais pas mal de dégâts. Voilà, il a fait son taf. Il est cheaté. Zazézur est cheaté.
C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, les gars. C'est ça. Bon, maintenant, il reste quoi? Pas grand-chose, hein. Il me semble qu'il reste Luxray, Lucciora. Donc pire est caché ça. Je sais pas si je le tue, mais je crois que je le tue pas. Juste pas. Enfin si en fait il switchait sur Mistibule, je préférais en fait avoir lui. Pour après mettre Nymphalie, mais bon c'était si dans le cas où il mettait Mistibule, au moins je pouvais switcher quoi. Mais il a pas fait, bon dans ce cas-ci ça va bien encore, mais. Bon là ce qui est bien c'est que. Je lui fais mal de toute manière. Donc voilà, il reste. Même si c'est une puissance cachée de type acier ou je sais pas quel type. Ah, type acier, il me fait rien. Voilà. Je nique. Il switchait au nom, c'était. De toute façon, ça allait. Fallait pas switcher, fallait rester là. Il a bien fait. Maintenant, bah, s'il est pas con, bah, il va mettre Mistibule, hein. Et soit il se booste parce qu'il pense que je switch, soit il m'attaque parce qu'il pense que je switch pas. Ou soit il met celui-là. Donc à voir. On va voir ce qu'elle nous fait. C'est quoi mon animal préféré? C'est le lion. Tout simplement. Le lion bestial. L'animosité. Tout ça, je kiffe. Je kiffe. Voilà. Donc là il switch pas, je sais déjà quoi faire. Bon j'ai 5 Pokémon là, ça va. Tranquille. Oh putain d'herbe, je m'attendais pas à ça. Ça je m'attendais pas. Mais c'est du physique donc. Oh putain. Donc ça va mais. Je m'attendais pas trop, je sais pas. Il le joue un peu. Ah ouais du coup il devient type. Ouais ok. Bon. Là il a fait. Il a placé ce qui comme il fallait. Voilà. Normalement, il peut plus rien faire parce que je suis plus rapide que lui. Et il est type plante, il switch, il est type acier l'autre. Faut pas que je loupe juste. Faut pas que je loupe le déplague. Mais normalement, il peut rien faire. Voilà. Puis il est type plante. Donc il va ramasser. Voilà. Tu préfères les chiens ou les chats? Les chats. Ah, il y en a plein qui kiffent les lions. Ah, vous kiffez les lions, hein. Tellement bon. Ah, j'ai oublié lui. Je sais pas s'il a croque-givre ou connerie du genre ou. Je sais pas ce qu'il pourrait faire en fait. Éclair fou, ok. Juste voir comment il m'enlève. Ok, ça va. Est-ce qu'il a mâchouille? Bonne question, me direz-vous. Est-ce qu'il a mâchouille? Petit vicieux. Au moins, je suis pas en mode attaque. C'est pas stabé mâchouille de toute manière, donc normalement, il me tue pas. Hein. Il me tue pas avec mâchouille, normalement. Vas-y, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi! Getsuga! Tu regardes un coup critique. Mais ça, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse. C'est un beau gosse. C'est bon ça. Bam. Bim. Bim. J'ai mes chips. Ah non, mais Mistibule, il était mort en fait. J'avais zappé ça. T'es mort, t'es muerte. Tu es finito. Finito, te dis-je. Finito. Choupi, elle est plus là. Elle n'existe plus, Choupi. Parlez plus de Choupi, s'il vous plaît. Merci. Je sais pas si vous saviez, mais je suis célibataire là en ce moment. Enfin, dans le sens. J'ai pas de copine fixe. dans ce sens-là. Après, voilà. Après, voilà. Après, je suis un homme. Donc, voilà.
Non mais voilà, donc je parlais plus de Choupi, ça sert à rien, elle n'existe plus. C'est vrai que je vous l'ai présenté presque, donc c'est un peu con, mais bon voilà. À l'époque, voilà. Donc voilà, je suis plus avec Choupi, je suis normal, célibataire pour l'instant, voilà. Merci. Non, c'est juste pour pas ressasser les choses, ça fait un peu chier déjà que vous. Voilà, c'est un truc personnel. Bon, merci pour le combat. Il est 4 heures, les gens. Il est 4 heures. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire en fait. Je pensais faire en fait. Parce que s'il a mis la pizza maintenant, mon père. S'il a mis la pizza. Attendez, je vais aller voir tout simplement et je reviens. Y a pas de souci, j'arrive.